Oh, ça fait bizarre d'avoir le logo Xbox quand on démarre un jeu PlayStation. Bonjour à tous, c'est Twinsen, bienvenue dans ce live Twitch consacré à Psychonauts 2, Psychonauts 2, un jeu Double Fine du grand, du génialissime de l'inimitable Tim Schafer. C'est un jeu sorti en 2021. Après des années d'attente d'une campagne Kickstarter à succès, et encore plus longtemps encore, près de 15 ans après la sortie du premier opus, dans les années 2000, sous la génération PS2, Xbox, GameCube. Donc moi je l'avais fait sur sa version d'origine, le PC. Voilà, donc allez hop, on va lancer, on s'en fout. Alors, ah mais c'est parti direct l'intro. Allez, on va regarder ça puis je reprends après. This one's different. This one's true. I just helped rescue Truman Zanotto, the grand head of the Psychonauts and father of Lily Zanotto, my girlfriend. Although the term is still very fresh and might need fact checking before we go to print. There was a kiss, but okay. I'm already getting off track. Let me start at the beginning. I grew up in the circus, the Aquato Family Circus, a ragtag little caravan of acrobats run by my... Ah ouais, donc là c'est vraiment on vous résume le 1 là. Fear psychics, or fortune tellers as we knew them, all because of some old thing where they cursed the Aquatos to die in water. Problem is, I am psychic. I have been all my life. I hid my powers from my family, practicing them in secret, until one fateful night. After a show, a mysterious stranger handed me a brochure for Whispering Rock Psychic Summer Camp, a training facility for psychic kids, operated by the international espionage agency we all know as, bum bum bum, the Psychonauts. I ran away from home that night. When I got to Whispering Rock, I blended in seamlessly with the other campers. Superstar secret agent Sasha Nine and Mia Vodello taught me levitation and psi blast. I learned pyro and telekinesis from Ford Kruller himself. He was all over camp, literally all over, due to his ability to teleport. Ah, les souvenirs. Bon, ça spoil vraiment tout le premier, hein, donc si je vous invite à avancer un peu la vidéo ou à fermer les yeux pendant le stream live si vous voulez pas vous spoiler le premier. Inside armored death tanks that I guess he was going to use to take over the world or something. I went into his mind and found out he just had some issues with his father. I mean, who doesn't, right? Now he's okay. Not great, but okay. Just as Ford Kruller was making me an honorary psychonaut for all my hard work, word came in that Truman Zanotto had been kidnapped. So my fellow psychonauts and I jumped in a jet and set out to find him. Our search led us to an abandoned underwater outpost of the Psychonauts in a dangerous part of the ocean, known as the Rhombus of Ruin. We found Truman there, held captive by Dr. Lobato, unlicensed dentist and amateur brain surgeon. We freed Grandhead Zanotto, but he's got Silurian poisoning and can't tell us what happened. We know Lobato wasn't acting alone, but he won't tell us who hired him to kidnap Truman. Agent Nine has an idea how to get the information, using an elaborate psychic construction implanted in Lobato's mind. It's risky, but that's just a way of life when you're a psychonaut. If I don't make it back, I really hope you consider publishing my letter. And also, please consider the sample layout and illustrations I included. Well, I better get my head in the right place. The mission is about to begin. Et donc voilà, on vient d'avoir le résumé. Hop, le titre. Voilà, donc pour reprendre ce que je disais. Donc le premier Psychonaut, ou Psychonaut, dites-le comme vous voulez, donc, est sorti en 2005. Il a été édité par Majesco et donc développé par Double Fine, studio indépendant fondé à l'origine par Tim Schafer. Tim Schafer, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un vétéran du jeu vidéo, plus précisément du jeu d'aventure,
et il a fait l'heure de gloire du studio LucasArts avec des jeux considérés comme parmi, en tout cas de mon point de vue, parmi les plus réussis de toute l'histoire du jeu vidéo. Je cite notamment Day of the Tentacles, qui est son chef-d'œuvre absolu. Il a travaillé aussi sur les Monkey Island, il a travaillé sur Grim Fandango, qui est aussi un très très grand chef-d'œuvre. Il a travaillé sur Full Throttle, voilà. Et donc depuis, il a, voilà, quand LucasArts s'est mis à battre des ailes, il est parti fonder Double Fine. Il a d'ailleurs embarqué une petite partie des anciens de LucasArts avec lui, mais une toute petite partie, notamment le compositeur Peter McConnell, que vous entendez là à la baguette. Un des très très méconnus, mais un des meilleurs compositeurs de l'histoire du jeu vidéo, clairement. Complètement caméléon, ce mec. Je vous conseille vraiment de regarder un peu plus avant sa musique. Et donc voilà, là les paramètres c'est bon, bonus. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup le jeu était sorti en 2005 sur PC, puis ensuite il est sorti sur console, notamment sur PS2. Très très bien réceptionné par la critique, pas super bien marché. Commercialement en tout cas pas suffisamment d'après son éditeur, mais bon, ça leur a permis comme d'enchaîner avec Brutal Legends. Et donc Psychonauts, c'est quoi? C'est un jeu de plateforme aventure dans la lignée un petit peu de plutôt hommage, j'ai envie de dire, à Mario 64, clairement une énorme référence de Psychonauts, et mais avec le côté narratif et burlesque et complètement dingue de Tim Schafer, voilà, propre au jeu Tim Schafer. Donc là, on va regarder le scénario et puis je vous reprends. Was kidnapped. Yesterday, with my help, the Psychonauts rescued Truman from the underwater lair of Dr. Lobato. But trust me, there's no way Lobato is working alone. Today, we're on a mission. Find out who hired Dr. Lobato to kidnap Truman Zanotto. My name is Raz, and today is my first official day on the job. Eh ben ça promet. Oh là là, ça va être un bureau. Oh, je vois qui c'est. Génial. Ah ben non, au perso. Oh là là, le côté toonesque. Alors, le jeu tourne sur Unreal Engine 4. Ou fort, vous dites-le comme vous voulez. Donc déjà, là, on voit Raz déguisé en bonhomme de bureau avec Lily. On sent le délire, là. And that's how we managed to raise profits the 900% this quarter. That's right. Ah, c'est le coach Oleander. That brings us to our next topic. Sasha, still have the talking turtle? La tortue de la parole. I just like the clapping. It's now time to give out the award for Employee of the Year. The prize for this year's award is an all-expenses-paid tropical vacation. Ooh! Oh, I hope it's me! The winner of this award may be one of our newest members, but he's also one of our most improved. Congratulations to... Caligosto Lobato! C'est qui? Non, j'y crois pas. You're gonna love this vacation package. I'm jealous. I've never won anything or been on a vacation. I don't have to go on a boat, do I? No, darling. Ooh. All you need to do is get this vacation request approved by... T'es pas en vacances. Approve, disapprove. Just a formality. You just need to get this form signed by your boss. My boss? Yes, darling. Or you could just tell us who your boss is and we could... No! Maybe he doesn't want this tropical vacation after all.
Look back! I won it! I'm Employee of the Year! Yes, you are, darling. Now off you go. Get that form signed by your boss. The person who hired you. The person you work for! Okay. Hurry up! Before I take that vacation myself! Ok, je vois où ils veulent en venir. Ils sont en train de lui explorer la tête. Ok, donc pour en revenir à ce que je disais. Donc, Psychonaut, premier du nom, est donc un jeu de plateforme aventure dans un univers onirique assez barré. C'est très très original, il n'y a pas vraiment de titre rapprochant. À part peut-être un jeu qui est sorti après, qui est excellent aussi, que je vous conseille vivement, c'est le Alice Madness Returns d'American McGee, dont d'ailleurs on commence à reparler cette semaine après presque 20 ans de silence, parce que apparemment il va être adapté en série, donc je vous le conseille au passage. Mais en dehors de ça, non, c'est vrai que Psychonauts ne ressemble pas vraiment à un jeu. Un jeu de plateforme à d'autres jeux de plateforme. Donc c'est vrai que donc l'idée c'est que vous dirigez Raz, donc Rasputin, qui était au départ un élève psychonaute qui rejoignait donc le camp, comme vous avez vu dans la vidéo explicative du premier opus, le camp des psychonautes, et il a appris à psychonautes. Donc un psychonaute c'est quoi? C'est un psychique qui va rentrer dans le cerveau de quelqu'un et qui va influencer ou réparer l'esprit de la personne, un petit peu comme le film Inception de Christophe Nolan. So how long have you worked here? I have worked here from 1 to 3 years. Et donc en fait là où c'est vraiment rigolo, c'est que dans le premier opus on visitait un certain nombre d'esprits qui avaient vraiment des univers extrêmement spécifiques. Donc notamment on a visité les esprits des trois chefs psychonautes qu'on voit ici. Alors, est-ce qu'il y a une vue subjective? Donc on avait commencé par le coach Lander qui est tout au fond là. Donc c'est un militaire, donc son esprit ressemble à un champ de bataille. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Sacha, c'est un psychorigide. Donc du coup tout était classé, ordonné, il n'y avait pas un truc qui dépassait. Et une fois qu'on l'ouvrait, qu'on démontait le puzzle, c'était du pétage de plomb total. On faisait perdre le contrôle un petit peu. Et puis Mila à côté, elle, c'était une boîte de nuit très funky, avec des boules à facettes. Voilà, enfin, il n'y avait pas que cela, hein, bien sûr. Mais puis donc on visitait, il y avait un. Il y avait un hub central, un peu comme Demon Souls, c'est-à-dire une zone centrale, le camp, et ensuite comme le château dans Mario 64, et vous avancez ensuite au fur et à mesure vous débloquez des nouvelles compétences en explorant les nouveaux mondes, vous accédiez à de nouvelles zones et de nouveaux esprits, puis en même temps vous faisiez avancer le scénario, le fil rouge du scénario. Donc là, clairement, donc à la fin du premier opus, donc Rasputin, qui est, pour faire une analogie un peu avec l'univers de Naruto, pour les jeunes qui nous connaissent, qui connaissent pas, Rasputin était un genin, un aspirant ninja au début de Psychonauts 2 et à la fin c'était un junin, un ninja de rang supérieur, donc c'était un vrai psychonaute à part entière. Donc il avait obtenu, parce qu'à chaque fois, il avait obtenu l'ensemble de ses badges, puisqu'à chaque fois qu'on finissait un monde, on obtenait un badge de psychonaute. What's that? I said, I love Casual Friday. Am I right? Donc là, vous voyez, je prends un peu mon temps, mais j'essaie un peu de profiter, mais aussi de vous expliquer, parce que c'est tellement barré, et qu'il faut quand même, pour bien comprendre, avoir quand même un peu d'explication. Donc, pour revenir à ce nouvel opus. Donc, qui se déroule 16 ans après le premier. Il a une histoire un petit peu tumultueuse, puisque Double Fine a eu des hauts et des bas. Au départ, ils avaient commencé très fort, ils avaient signé deux AAA, donc Psychonauts, premier du nom,
depuis Brutal Legend et ça s'est justement brutalement arrêté puisque Brutal Legend a eu un développement chaotique, des résultats jugés insuffisants par son éditeur qui était Activision. Activision, Blizzard, Bobby Kotick, voilà, cette ordure était déjà patron d'Activision à l'époque. Il avait essayé de fermer Double Fine, qui s'est rebellé, qui a réussi à se maintenir, mais voilà, en faisant des jeux beaucoup plus modestes. Voilà, Costume Quest, des choses comme ça. Puis, ils ont eu un sursaut financier avec Kickstarter, donc qui avait le site de financement participatif qui est apparu. Et du coup, ils ont eu un énorme succès, ils ont eu plusieurs millions de dollars pour un projet qui en demandait 300 000 à l'époque. C'était un point and click classique, comme le Tim Schafer le faisait du temps du LucasArts, qui s'appelait Broken Age. Broken Age a eu un énorme succès financier, le jeu est sorti dans un état pas satisfaisant, je trouve, n'est pas ses promesses, et clairement, même s'il avait des qualités, il n'y avait pas 3 millions de dollars dedans. Donc du coup, je l'avais financé, je l'avais un petit peu mauvaise, d'ailleurs je l'ai jamais terminé, il faudrait que je le fasse. J'avais un peu mauvaise contre Tim Schafer, qui pour la première fois, voilà, je trouvais sombrer un peu dans le côté obscur par rapport à ses fans. Et en fait ce qu'il a fait, c'est que, enfin, peu de temps après, je sais pas si c'est grâce aux bénéfices, l'argent du Kickstarter, je sais pas, il en fait ce qu'il voulait, hein. Mais du coup, il a racheté toutes les anciennes licences LucasArts sur lesquelles il a travaillé, notamment Grim Fandango, Day of the Tentacle, ce qui a permis quand même de maintenir ces jeux en l'état, enfin dans un état commercial, puisqu'ils avaient complètement disparu à la fermeture de LucasArts. Mais en même temps, voilà, ils se sont mis à faire, Double Fine s'est mis à faire des portages, des remasters de sans trop d'ambition, vendu plein pot, mais voilà, dispo sur PS4, Xbox, PC. Donc du coup, je l'avais un peu mauvaise. Si bien que quand le Kickstarter de Psychonauts 2 est fatalement arrivé, ben, je ne l'ai pas financé. Voilà, surtout qu'en plus, j'avais pas le PC qu'il fallait. Oh, c'est sympa, un petit zoom Hitchcock. Hein. Et donc du coup, ben voilà, j'ai pas fait partie des financeurs et j'ai un peu boudé le jeu à la sortie parce qu'en fait, il a encore fait une crasse entre guillemets aux fans, enfin une crasse. Juste avant la sortie de Psychonauts 2, donc le jeu auquel on est en train de jouer, Double Fine, donc fervent studio indépendant qui prenait son indépendance à tous les niveaux, s'est fait racheter par Microsoft. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu le logo Xbox à l'issue de, enfin, au démarrage du jeu. Ce qui veut dire qu'en fait, tout simplement, Double Fine appartient maintenant à l'univers d'Xbox, et que si Phil Spencer, patron d'Xbox, le décide, bah, il n'y aura plus jamais un jeu Double Fine qui sortira autre part que sur Xbox. Donc finalement, Psychonauts 2 est sur PS4. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le contrat avec Sony avait été signé avant le rachat de Microsoft, et donc Microsoft était obligé contractuellement de sortir le jeu sur PlayStation 4. C'est pour ça que là on est en train de jouer sur PlayStation 4. Par contre, malgré le Kickstarter, malgré la puissance de Microsoft, et malgré le deal avec Sony, c'est un triple A quand même, Psychonauts 2 n'a pas tenu certaines promesses qui étaient pourtant dans celle du jeu du premier opus, notamment le doublage. Donc là, vous voyez depuis tout à l'heure, le jeu il est en anglais. C'est pas un choix de ma part, c'est tout simplement parce qu'il n'y a que de la VO. Voilà, petit renversement gravitationnel. Donc là, vous allez commencer à voir un petit peu les qualités très propres de Psychonauts, c'est surtout le renversement de perspective. Oh, j'adore comme il marche là. Comment j'ai fait ? Ah, j'adore. Donc du coup, oui, je l'avais un petit peu mauvaise. Donc si vous voulez, Psychonauts 2 est sorti en septembre 2021. Il n'était pas doublé et il ne sortait qu'en digital sur PlayStation. Donc moi qui suis un pro physique, j'avais deux raisons de dire un gros fuck à Tim Schafer et à Phil Spencer. Donc je ne l'ai pas pris à la sortie. En plus, il était vendu 70 balles, quoi.
Et finalement, bah, je l'ai pris parce que d'une part, j'ai craqué parce que je suis trop fan de Psychonauts 1 et de Tim Schafer en général. Et d'autre part, parce que voilà, il était plus qu'à moitié prix, donc le jeu est descendu sous la barre des 30 euros maintenant. Donc, à défaut d'y pouvoir y jouer en français comme dans le premier opus et avec une version physique, bah, écoutez, on va tester cette version digitale qui est la seule disponible actuellement sur PlayStation. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est... Ah non, j'allais dire, les textures sont traduites, mais pas toujours là, vous voyez, c'est en anglais. Tout à l'heure, les panneaux d'indication de route étaient en français. No time for small talk, soldier. The enemy is on the move. But we've got him cornered. This way. Quick. Alors, ce qui est un petit peu dommage, du coup, ce que j'ai lu dans les tests. Donc, le premier était avec, comme dans tous les jeux LucasArts ou les jeux de Tim Schafer, le doublage français, il est impérial, hein. Il a pas du tout à avoir honte par rapport au VO. Et donc Raz était doublé notamment par Donald Renew. Donc le fameux Spider-Man ou Riz dans Malcolm. Et donc il était bien dégoûté de ne pas pouvoir doubler. À la sortie du jeu, Microsoft a pas fermé la porte pour un doublage a posteriori, mais voilà, il n'arrivera jamais. Et donc tout ça pour dire que dans les tests que j'ai lus, c'est un peu embêtant pour Psychonauts 2. Parce qu'apparemment, l'action, comme ça est un jeu qui est au moins aussi bavard que moi, et bien apparemment, voilà, si vous ne comprenez pas l'anglais couramment et vous lisez les sous-titres, ça gêne franchement la visibilité pour le moment. Bon. Alors, de ce que j'en vois, Raz a toujours tous ses pouvoirs. On va remettre là-dedans. Ah, génial. Et puis on va se concentrer un peu sur le jeu, parce que maintenant que j'ai terminé, on va dire, le gros de mes explications. Donc ça, c'est un élément typiquement inventé dans Psychonauts et qu'on retrouve dans American McGee's Alice Madness Returns, Alice au Pays des Merveilles 2. C'est les bribes. Donc les bribes, ce sont des petits hologrammes, un peu l'équivalent des pièces de monnaie de Super Mario 64, et qui sont disséminées un petit peu partout, parfois super bien planquées dans le jeu, parfois en mouvement aussi, donc pas évidentes à choper, et qui ont tout un design absolument unique, donc jamais vous aurez deux fois la même bribe. Et donc voilà, pour faire le 100%, il faut trouver toutes les bribes. Alors là, je teste un petit peu les pouvoirs de... psychique de Raz, donc je vois qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. De ce qu'on en a vu, scénaristiquement parlant, le jeu se passe littéralement quelques jours après la fin du premier opus. Coach, there were no teeth in Sasha's plan. That's what I told him, but he's all no weapons, Morty. Oui, là c'est des trucs un peu dommages parce que Tim Schafer, c'est un auteur avant tout, c'est un écrivain, c'est quelqu'un, c'est un dialoguiste de génie. Et c'est vraiment dommage que les blagues soient pas adaptées, traduites. Voilà, mais bon. Alors, du coup. Non, je veux dire, Sasha's implanted mental construct was just business office. Oh! Oh, c'est quoi ça? C'est dégueulasse cette gencive. Alors, comment je suis censé monter? Voilà, tout simplement. Double saut. Attraper la fermeture éclair à l'aide de la télékinésie. Now that your cap is clean, let's check out those chompers. If I didn't know better, I'd swear this place had gremlins. No problem. I'm sure I can do this in the dark. Coach, this room is definitely not in Sasha's plan. In fact, I think it's a trap. No. That's just a sensor. Everybody has those.
Oh, génial, ils sont de retour. Donc ça, c'est l'équivalent. En fait, c'est des, entre guillemets, les globules blancs de l'esprit. Et donc, plus on avance dans le jeu, plus on fout le bordel dans les têtes des gens, plus ces espèces de petits gardiens là sont nombreux, voire puissants. Alors, énergie mentale, les cerveaux représentent la puissance de la connexion de Raz avec le monde mental. Quand ils sont vidés de leur énergie, Raz revient à son précédent point. D'accord, donc c'est tout simplement l'énergie. Là, ce que pour le moment, le jeu n'a pas évolué d'un iota. On est toujours vraiment dans du pur psychonaute. Alors, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait le premier. Ça me manque un petit peu, je ne vous le cache pas. Par contre, je l'avais fait sur PC avec le duo clavier-souris, hein, puisqu'il avait été pensé pour ça. C'est la première fois que je le fais avec une manette. Ah ben non, je dis n'importe quoi en fait. Non, je l'ai fait sur PC aussi. Mais ça rend bien. Je veux pas voir ça. C'était un joli bridge, hein. Mais bon, c'est un peu le bordel à l'intérieur. Donc là, voilà. Je faisais un parallèle avec Naruto tout à l'heure. Donc on est un petit peu. Là, on est dans la. Imaginez, on est dans la tête d'Itachi. Uchiha Itachi. Et lui, c'est Uchiha Itachi. Et puis là, on est en train de chercher le complice. Uchiha Madara. Ah, les mouchards à replacard. Donc c'est quand même localisé, hein. C'est comme. Donc il y a quand même des efforts, mais bon. Putain, pourquoi ils l'ont pas doublé, quoi. Espérons qu'un jour, voilà, il y ait une sortie physique. Mais bon, je me doute que ce genre de jeu aujourd'hui n'a plus trop la cote. Ah, yes! Donc, n'a plus trop la cote et ça aurait été bien quand même que le jeu sorte en physique et avec un doublage. Donc là, on va. Si, c'est un autre truc, un autre collectible. En dehors des. Là, on a les bribes, hein, que vous voyez, ici. Et on a aussi les valises de souvenirs. Alors, comment ils ont appelé ça? Étiquette de bagage émotionnel, c'est ça. J'avais oublié. Réunis cette étiquette avec son bagage émotionnel pour remettre un peu d'ordre dedans. Donc ça c'est assez marrant, c'est. Bon, il y a beaucoup de vocabulaire du psychique, de la psychologie tourné un petit peu en dérision. Donc le bagage émotionnel, en fait, quand vous le trouvez, ça libère un souvenir enfoui profondément, un truc voilà, secret de l'esprit que vous visitez pour mieux comprendre le personnage. Alors, est-ce que je peux... Ah oui, alors là vous voyez, double saut, mais il s'agrippe aussi, un peu comme Spider-Man. Donc du coup, on va essayer de faire la spécialité de Mario, le saut à rebond. Hop, est-ce qu'il le fait? Oui. Et voilà, petite bribe. Alors généralement, si bon, s'ils sont calés, comme le premier opus, j'allais dire, il y en a 100 par niveau, mais non, en fait, là, il y a le compteur en haut à droite, c'est 80. Pour ce premier niveau, en tout cas, 80 bribes. Ok. Salut Cookie! Alors c'est vrai que là maintenant je peux choper les trucs. Le jeu est pas ouf hein, quand même techniquement pour du Unreal Engine 4. C'est pas ouf hein, le. Ou alors si le premier était vraiment très beau, mais en dehors des lumières, je vois pas. Ça fait pas très. Enfin ça pourrait tourner sur PS3 360, hein, clairement. Alors donc là on a trouvé l'étiquette du bagage émotionnel et donc là on a trouvé le bagage émotionnel qui est en train de pleurer. C'est toujours la même valise que dans le premier. Et donc là on va les réunir. Voilà, et donc quand on a réuni tous les bagages émotionnels, on a le souvenir si ma mémoire est bonne. Donc là je pense que j'ai fait le tour. J'essaie toujours un peu de les finir à fond parce que c'est vrai que je suis pas trop. Le premier opus, j'avais eu la flemme de le refaire, enfin de le rebalayer pour avoir toutes les bribes, donc j'essaie d'en avoir un maximum en premier run. Non, je pense qu'on en a fait le tour. Allez, donc, on va ouvrir le nouveau bridge. Ah, c'est dégueulasse. Alors, toujours pas de vue subjective, c'est un petit peu dommage.
Il me semblait qu'il y en avait une dans le premier. À vérifier. Looks like some sort of conference room in here. Rasputin, is that you? I need. I'm coming, Sasha. Donc ils sont quand même trois psychonautes dans la tête du méchant là. Bagages émotionnels. Tout le monde a des bagages émotionnels. Et ceux de temps en temps, ils doivent être triés. Tu peux apporter ta contribution en retrouvant l'étiquette de ce sac. Chaque fois que tu réunis 5 étiquettes avec leurs bagages respectifs, tu gagnes un rang. Ouais, donc quand même, c'est intéressant à faire. Alors, juste regarder le menu. Ah, il n'y a plus le menu roulant. Peut-être après. Parce qu'en moment, vous avez un menu super complet avec tout l'état de votre progression, de vos découvertes pour chaque monde. Alors, est-ce que du coup, 3D production... Donc là, on est clairement dans un monde, un esprit bureau, financier, capitaliste. Ça colle pas trop au personnage du savon fou. Alors, est-ce que c'est vraiment son moins profond, ou est-ce que c'est les psychonautes qui ont créé cette réalité pour le rouler? On va voir. Hop. En tout cas, il y a une fixation sur la dentition. Ah zut. Alors, appuie sur R1 pour libérer des décharges excessives, ok. Ah, je vais titiller la glotte. Sasha, how is the Bato breaking through the office construct? He couldn't be doing this on his own. He must be getting help from someone even more sinister. Get ready, Rasputin. Pour ceux qui ont fait des tentacles, ça c'est un clin d'œil à des tentacles. La petite mâchoire là. Ah, il n'y a plus l'attaque concentrée? Ah si. C'est juste qu'il faut que je retrouve les petits, il faut que je retrouve les boutons. Sasha! I've got the situation under our control. Ah! Just find us a way out of here, quickly. Yeah, don't bother with them, little mooks. You want to go for the gold. Faites you des dents. Grab the big boys. Help me carry this one, will you, Frankie? Oh, une dent en or. Hop, une petite bride par-ci. Ah, celle-là, va falloir monter sur la dent. Oh, mais il a disparu, Sasha. Hop, une autre bribe, très bien. Sasha, where'd you go? Oh man, I need to find... Hey, tooth fairies, drop that tooth. It's not yours. Il faudrait que je vérifie, parce que pour Broken Age, c'était l'acteur qui jouait Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, qui faisait le personnage principal. Et c'est vrai que là, Rasputin a l'air d'avoir un peu la même voix, je me demande si c'est pas lui. En tout cas, ça a l'air d'être les mêmes doubleurs que en VO que le premier opus. Mais vu que j'avais fait le jeu en VF. Alors, est-ce que je peux choper cette dent? Comment je fais? D'accord, tout simplement. Ah zut, j'ai pas posé au bon endroit, je crois. Est-ce que je vais arriver à la choper? Ouais, peut-être en sautant comme ça. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Donc pareil, j'ai rincé là. Ok. Patron, alors, répertoire du bureau, débarras, jamais de repos, patron, vacances à mer, ok. Je pense que les artistes ont dû se faire plaisir là, en vannant un peu Team Schaeffer, enfin, on verra. Est-ce qu'on aura le droit à l'open world, enfin l'open space, pardon. Crachez-moi toutes ces saletés. Pas mal. Oh no. Not back in the trap. Trap? Coach? Coach, where'd he go? Oh, well, that's a good sign. What is it?
That is a regret. If Lobato has regrets, then maybe there's a way we can still get to him. Let's get out of here and find Lobato. Sasha? Are regrets dangerous? Oh, yes, extremely. Take care of that one, will you, while I find an exit. Ah bah ça n'aura pas duré longtemps. Ah bah voilà. Ah oui, viens me censurer toi, tu vois. Aïe aïe aïe, ouh, t'as une barre d'énergie toi. Bon, j'ai pas encore tous mes pouvoirs, hein. Il y avait notamment le pouvoir du ballon qui permettait de flotter, il y avait le... ou de rouler de... On pouvait rouler un peu comme sur une boule de cirque. Et donc se déplacer super vite. Par contre, je suis en train de me faire défoncer là. Faut que je fasse un peu attention. Good job, Rasputin. Unfortunately, I can't find a way out of here anywhere. Sasha? Ouais, il a toujours son accent, l'autre là. Mais Sasha. What? Did somebody say gold? Frankie, here's a chance for revenge. Oh, not these guys. I'll keep looking. Alors, porte en or. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'énergie, ok. Oui, il y a le code couleur vert pour bien te faire penser que c'est de l'énergie. Ok. Ok, bah je pense qu'on a rincé un peu cette zone, hein, puisqu'on l'avait déjà... On est revenu. Hop. I'm coming to see you, ma. Et donc voilà, ça c'est le genre de truc typiquement psychonautien. Complètement, complètement loufoque, surréaliste. Hop, et on plonge. Renversement de perspective. Et encore là, ça c'est soft. Parce qu'il y a eu dans le premier, on carrément l'endroit, l'envers changeait de sens pendant qu'on changeait de zone. C'était très marrant. Là pour le moment il reste assez soft, hein, il tombe pas trop les perspectives pour pas donner la gerbe. Oula. Donc là les fameuses glissades qui est de Super Mario 64 ou de Sonic sur Dreamcast comme vous voulez et qu'on retrouvait déjà dans le premier opus. Bon là dommage, c'était très court. My whole family was cursed to die in water, and... Yeah, yeah, Super Sad. Look at these posters! I think someone else planted these in Lobato's mind to intimidate him. And make sure he didn't tell us who hired him to kidnap your dad. Let's get rid of them. Maybe it'll help. Help me burn these posters, Raz. Alors là, on va utiliser les pouvoirs. Ouais, au fur et à mesure, il redécouvre ses pouvoirs en fait. Donc là, la pyrokinésie. Très bien. Alors, est-ce que je peux viser? Ah, si, attends, il me semble que j'ai visé là. Comment j'ai fait? Attends, voilà, comme ça. Carton non du tout. Oh, je peux faire que cela. Je peux envoyer la boule de feu. Attends. Non, je peux pas envoyer la boule de feu. Queen et voilà la sortie. On pouvait voir hein, les comme d'habitude les
Le style Schaffer, c'est vraiment hommage un peu à l'esprit Warner des années 60. Hein. Du vieil Hollywood. Hop. Ah, comment je vais la choper celle-là? Bon, ça va, je meurs pas. Il y a une main qui me pousse. N'importe quoi. Alors. Petite zone cachée là. Qu'est-ce que tu caches? Le bagage émotionnel! Oh là là. J'aime rendre des gens heureux. Ah là, ça va être plus chaud pour monter par contre. Ah, tout ça pour ça, y'a rien. Ah, y'a pas de récompense. Ah, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Allez. Je suis content d'être arrivé en haut quand même. Je reprends petit à petit mes réflexes de psychonaute. Alors, tac. Voilà, donc carrière, là, elle tient pas. La brosse à dents, hop. Ah! Voilà. Donc là, on peut voir un bagage émotionnel. Comment l'atteindre? Allez, du décor, ok. Ne mouchardez pas. Ne soyez pas. Ah, oh, c'est bizarre comme truc. Quand on parle trop vite, le navire prend l'eau. C'est quand même complètement con d'avoir traduit les textures et pas fait de doublage quoi. C'est vraiment. Enfin bref. Ouais. Alors. Eh ouais, j'ai pas trouvé l'étiquette. Zut. Elle devait être planquée derrière un tableau que j'ai pas vu. Ou alors faudra revenir en arrière. Si on peut revenir en arrière. Ah, les tableaux ont changé. You screaming? Or me? Doesn't matter. Listen, we all have our doubts and regrets, but it's too late to turn back now. Understand? What we have to do now is finish the extraction. Ah, petit clin d'œil au 1. Dans le 1, il était tombé exactement pareil, elle l'avait tenu elle avait retenu exactement pareil. Doute, note, vous retient. They're highly flammable. You take care of them while I find a way out, okay? Bon, bah j'ai loupé mon bagage émotionnel, zut. Allez, crame-moi ça. Bon, ça crame pas. Et tiens. Ah! Mais c'est qui fait mal. Ouais, bien joué, moi. Alors, la censure arrive. Tiens. Toi aussi, tiens, un cadeau. Bon, vous voyez, hein, la caméra est suffisamment bien foutue et les niveaux suffisamment larges pour qu'on ait pas besoin de toujours loquer. Hein. Bon, Popper Psy, ce bonbon te rendra d'énergie mentale. D'accord, ça je me rappelle pas si c'était déjà dans l'heure. Ouh là là, ça y est, je pense à... Ouais, d'accord. Là, ça commence à chauffer un peu. On dirige vers les petites lampes, là. Psytanium, ça, par contre, c'était dans le... Psytanium est un matériau psychoactif utilisé par les psychonautes comme monnaie d'échange. Maison de côté pour acheter des choses utiles plus tard. Oui, le petit code couleur vert phosphorescent pour indiquer que si on pète
le truc, on a de l'énergie à l'intérieur. Voilà. Alors bon, c'est vrai que ça, je frappe les ennemis, mais ils n'ont pas forcément d'impact. Ils peuvent continuer leur mouvement et donc du coup me frapper, c'est un peu chiant. Donc faut faire attention, ne pas se laisser déborder. Sinon voilà, on se fait défoncer. Alors pour le moment je peux pas courir. Ah puis l'énergie disparaît, zut. Faut pas trop traîner. Hop là c'est bon. Je suppose que là il faut détruire tous les ennemis pour pouvoir ouvrir la voie. Voilà. Si oui, c'est la dame de Harry Potter. Non. Bon, et là maintenant je peux le cramer, t'es d'accord? Et là, tout à l'heure il voulait pas, là il veut. Ah, par contre, là, le coup du papa kidnappé à la fin, je me rappelais pas du tout. Ah, là aussi, petit clin d'œil au 1. Toujours positive, Mila, toujours flottante. C'est elle qui nous apprend effectivement la lévitation. Donc voilà, on n'y arrivait plus, donc on va pouvoir enfin s'y remettre. Et voilà, on a la lévitation. Mais j'ai pas encore récupéré un autre pouvoir qu'il nous avait appris, c'était la boule où on monte dessus comme au cirque. Ce qui permettait d'aller super vite et de faire des super sauts. Voilà, donc là vous voyez, double saut. Ah zut! Voilà. Sympa le petit reflet. Ah, j'ai mon bagage émotionnel de mon sac émotionnel qui est là-haut. Ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. On va revenir dans le bureau d'avant. Cool. J'avais peur de l'avoir loupé. Alors, du coup là, on va servir du courant ascendant. Voilà. Éviter le truc de dentiste là. Et voilà, j'ai eu... Ah zut, non, c'est une bleue. C'est pas la verte. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûr, je l'ai peut-être loupé finalement. Ah, pourquoi il si peu? Parce qu'il a pas assez de pouvoir. Ah zut. Ah, je suis mal là. Je suis obligé de refaire tout le chemin. Ah, là aussi. Mais non, elle est là. Elle est là. Alors, comment faire? Alors on va y aller doucement. Ah zut, je vais pas pouvoir revenir en arrière. J'ai foiré mon coup, je crois. Ah, peut-être pas. Bon, il y a possibilité de revenir. Très bien. Alors. Oh non. Ah non, ça c'était pas malin par contre. Le coup de l'énergie qui tombe là. Là j'en ai vraiment besoin. Oh mais ils sont super costauds. C'est des sacs à PV. Tiens, 4 tonnes de tout. Ah, t'aimes pas, ça crame, hein. Ah zut, moi aussi je me crame, je m'auto-crame. Ah merde, je suis presque mort, attention. Oulala, oulala. Ah non, 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 me coince pas. Allez, donne-moi de l'énergie, s'il te plaît, de l'énergie.
Non. Bon. Those Psy Pops are good. And good for you. Allez, donc là, on monte. Tac. Ah, succès. Stimulation. What the fuck? Ah ouais, mais si t'appuies pas sur le bouton, connard. Ah, putain, je l'ai pas vu l'autre là. Le petit rouge bien vicieux là. Ah ouais, ah, il y en a encore un autre là. Ou c'est... Non, il y en a encore un autre. Ah là, le ballon, là, il le tient là. Là, il n'y a pas de problème là. Donc on va essayer de remonter. Enfin, de retourner au début et de choper les bribes que j'ai loupées. Vu que je suis pas allé assez loin. Parce que je suis allé assez haut. Mia, the mission is falling apart. We've lost control of Lobato. There's a little chaos on every mission, Raz. A psychonaut must always remember how to roll with it. You remember how to gather your thoughts and roll with them, right? Pas sûr d'arriver. Comment je vais faire? Parce que là, comment je crois que je l'ai dans l'os. Ah, il va clairement pas tenir aussi longtemps. Après, ça fait un espèce de chemin là. Est-ce que si j'y vais avec la lévitation, ça montre où est-ce que c'est, juste pour indiquer la direction. Allez, tiens. Non. Putain. Fuck. Je crois que je l'ai dans l'os et que j'ai loupé le bagage émotionnel. Mais en plus, j'arrête pas de le tuer là, petit à petit. Comment faire? Parce qu'il tient pas. Il n'y a pas assez de force psychique. Non, ne tombe pas. Putain, si j'y étais allé au début, si j'avais pris le... Ouais, mais j'aurais pas eu... Non, mais si, il y a une solution, forcément. Il y a un truc que je vais pas capter, là. À quoi ça sert, ces points? Ah, ça y est. Il a récupéré sa... Très bien, bon. Non. Non plus. Bon bah tant pis, allez, on va avancer, je verrai plus tard. Hop, lévitation. Alors, peut te protéger des sols dangereux, appuie sur deux, et voilà. Donc là, et typiquement... Ah, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Allez, c'est pas grave. Voilà, quel enfer. Ah, je me suis tapé en plus, game over. Ah, la punition. Il y a un loading.
Allez, on lâche rien, on va y arriver. C'est vrai que j'ai perdu pas mal d'énergie à essayer de choper le truc tout à l'heure. Hop, allez, on se... Aïe, aïe, aïe. C'est comme un jeu de snowboard, là. Hop. Allez, on se concentre, on essaie de choper les bribes en même temps. De passer le sol, ouais, ouais. Ah, zut, c'est jeté. She's been dementistrated. Sasha? Coach? Lily? Oh no. I think I'm the last one still in here. Suitcase tag. Gotcha. Donc là, voilà, on est typiquement dans des niveaux surréalistes comme le premier Opus ou Alice Madness Returns. Il y a vraiment que dans ces deux jeux-là que vous pourrez trouver des niveaux aussi barrés, quoi. Hop, l'ascenseur qui arrive. Tiens, tiens. 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 C'est à ton autre dessous. Ah oui, il commence à devenir de plus en plus gros. Ah, ils m'ont défoncé, j'ai même pas vu. Oh là là. Oh, le temps de chargement, il est vachement punitif quand même. Oh là là. Bon, après, on est sur PS4, donc... si vous êtes sur PC, PS5, Series X... enfin, si vous êtes sur un dur en SSD, je pense que vous n'aurez pas à souffrir de ça, mais quand même, c'est... c'est quand même un peu dommageable. Okay, nobody worry. Mia, where are you? Sasha. T'as vraiment, j'aurais bien voulu savoir comment ça va de ces points là-bas, quoi. Sasha? Coach? Lily? Oh no. I think I'm the last one still in here. Avec la petite canine là qui dépasse. Excellent. Bon, ça on a vu. Maintenez pour passer. Hop. Kato no Jutsu. Alors on peut pas dasher hein, si. Enfin, je peux esquiver comme ça, voilà. Avec le rond, c'est vrai qu'il faut que je retrouve un peu mes anciens réflexes. Parce que là, clairement, en plus, comme je stream et que je suis un peu concentré sur le commentaire. Voilà, tiens. Là, ça va mieux, là. Hop, on récupère de l'argent, c'est bon. L'énergie, on est à fond, très bien. Là, typiquement, faut bien doser le sou là. Ou repasser en arrière, tout simplement. C'est quand même beaucoup plus calme que le premier niveau du premier jeu. Le premier jeu, c'était champ de bataille, ça pétait partout. Mais c'est plus clair par contre.
On a toujours ce design presque burtonesque, hein, puisque c'est un peu les mêmes. Ils partagent un peu les mêmes références, hein, Tim Schafer et Tim Burton. Donc c'est vrai que leurs univers se ressemblent visuellement parlant. Loboto, le bien nommé. Put the old box in the basket, and the egg in the ocean. You put the egg in the basket, and the old egg in the box. Le fameux méchant, qui a l'air d'avoir la même coupe de cheveux que qu'un élève de Raz, un élève ennemi de Raz dans le 1, une tête de nœud qui, un bully qui essaie de l'embêter quoi. Donc là, est-ce que c'est lui, ou est-ce que c'est, je sais pas, son père? En tout cas, il y ressemble. Voilà. Bon, il n'y a pas 8 serpents, mais c'est limite Orochimaru, là. C'est très Naruto, tout ça. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de comparer ça à Naruto. Peut-être parce que, voilà, le premier, c'est le camp des... les psychonautes avec les moyennes classes, les hautes classes, l'Okage, le chef des psychonautes. Bon, a priori, on arrive à la fin du premier niveau, avec le twist. Donc on a repéré le complice, même si on n'a pas encore révélé son identité. Et donc on a ce temps de chargement là. Oh là là, quelle angoisse. En plus j'ai mis mon jeu sur un disque dur externe, qui normalement est rapide, mais ça ne va pas forcément aider. Allez hop, changement de cinématique, changement de niveau, suite, on va bien voir. En plus je dis Naruto, mais pourquoi je parle de Naruto? Mais le temps de chargement, c'est un Naruto. Ah bah voilà, on est sorti de leur esprit. Le fameux rat. Le coach qui faisait je sais pas quoi, une tweet là. C'est du genjutsu en fait tout ça. Je suis sûr que l'auteur de Naruto en fait il a joué à Psychonauts. Voilà, c'est dit. Révélation twist ce soir. Spéciale qualité Twinsen, de rien. She was floating over the ruins of a city, and she was commanding serpents of water. C'est des Orochimaru, t'as pas joué au Kami? Rasputin, I'm going to show you a picture. That's her! Wait a second. I thought I recognized her. True Psychic Tales, issue 43. She's on the cover. Maligula. The Deluge of Grulovia. Maligula? She's been dead for 20 years. Voilà, donc c'est comme Madara. Elle est morte depuis longtemps, et non. Donc le méchant du jeu, du 2, serait-il une méchante? C'est un Voldemort féminin. Des partisans comme Voldemort. Well, it's ridiculous, really. There's no scientific basis to... necromancy. What? They're trying to bring her back to life? It's silly, darling, but if they believe they can do it, they might do some dangerous things. Mia, have you considered the other disturbing fact in all of this? That unstable character. Could never kidnap the grand head of the Psychonauts without help? Yes. You mean... There's a mole in the Psychonauts. You think this is a mole, you're dumber than you look. Approaching the mother lobe. Et voilà, donc là, fini le camp de vacances des psychonautes. Place à la base des psychonautes, en forme de cerveau géant.
Oui, ça fait très 70s. Ça, avec la musique, ça rappelle les Indestructibles. C'est les mêmes références, hein. C'est même époque. James Bond et tout ça. T'as excellent. Donc là, ça va être notre nouvelle hub centrale. Là. Avec les persos typiquement Double Fine. J'aime pas trop ce design. Ce directeur artistique qui sévit sur plein de jeux Double Fine. Je suis pas très fan de. De ses dessins. Why did you deny us intel when we hailed the Motherlode? What are you talking about, Agent 9? We were on a mission to rescue the Grand Head of the Psychonauts. When we called for assistance... I never heard any call. Who did you talk to? Is he all right? We won't know for sure until we get that squirrel tested for rabies. This is our kidnapper. Clearly, he had help on the inside. Impossible. A mole in the Psychonauts? We have reason to believe delusionists are involved. And they're trying to bring back Maligula. What? I know. Isn't it great? The Psychonauts haven't had this kind of a threat in years. Can someone help me with my dad? He's still acting funny. Truman! Let's get him inside so he can lie down. Il y a beaucoup plus de cinématiques que dans le premier. I'll see what I can find out in my meditation chamber. I'm taking Lobato to my office for further interrogation. I'm gonna talk to Otto about our military options. Does that make anyone else a little nervous? Who are you? I'm Raz. Rasputin? I'm, your newest psychonaut? How's that? Ford Kruller, he gave me a badge. I've been kind of helping out. Ford Kruller, c'est le petit vieux, le chef du camp, qui en fait le chef des psychonautes. But he's not operating at 100%. He can hand out all the merit badges he wants, but he doesn't have the authority to commission psychonauts. But you can, right? Il va falloir reprendre à zéro de gravir les échelons. True Psychic Tales 146. You and Truman fought the Noodler together. I prefer the title Second Head. If the other agents vouch for you, I might be able to get you a spot. In the un pin de visiteur? Ah non, stagiaire. But don't be late for orientation. I hear the coordinator's a real brain buster. Welcome to the Motherlobe. Et donc voilà, on a terminé pour cette première vidéo de Psychonautes. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve sur la chaîne de Game Forever, la chaîne YouTube, et sur le site de Game Forever. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'avoir la suite. À ciao, bientôt. Salut, salut.